attraper une putain de balle, hein. Il me laisse faire tout le boulot. Ah merde! Bonjour. Non, je le crois pas. Encore le vieillard. Vous nous suivez, hein, c'est ça? Et pourquoi est-ce que je ferais ça? J'ai vu votre camion. C'est une petite ville, c'est un peu normal. Aussi au Jenny Lind. C'est possible, en effet. Arrête. Arrête. Tu sais de quoi je veux parler, mais je te le redis encore une fois. Arrête. Ça reste une menace. Fais bien attention. Je me risquerais pas à faire de menaces si j'étais toi. Sauf si tu sais te battre et à frapper ta cible sans rater ton coup comme tout à l'heure. Sale abruti de ta race. Pourquoi, pourquoi? Qu'est-ce que t'as à nous suivre comme ça, hein? Tu nous espionnes? Pour qui tu te prends, Danny, enfoiré? Danny, arrête. Danny, relax, mec. Ok, relax. Laisse, c'est qu'un vieux con. Classe ton swing, Pete. Tiens l'œil. Au contraire de Monsieur McCormack, hein. Espèce d'enfoiré! Viens par là! Trouillard, te casse pas! Je vais t'exploser la tronche sur le trottoir! Tu t'es fait avoir, mon gars. Des témoins, j'en ai dans toute la rue qui t'ont vu m'agresser le premier, avec une arme. Certains sont de vieux amis. Alors un bon conseil, pas d'histoire. Je t'ai donné la correction que ton père aurait dû te donner. Fallait que tu l'aies, d'une manière ou d'une autre. Ça ne me rendra pas mon chien. Mais ça te fera peut-être réfléchir. Et peut-être que tu penseras à moi et à Red avant de faire d'autres conneries.